une fois, il y a une auditrice, pareil, elle est tombée dedans, dans une autre truc. Ce que tu viens de me décrire, elle est tombée dedans, djellbab et tout. Hein. Sauf qu'elle était de confession juive. Ça s'appelle pas tomber Joël. Dedans. Si, attends. Ça s'appelle pas tomber dedans. Ah eh oui, mais. On dirait que c'est tombé dans une potion magique. Ça s'appelle, c'est pas tomber attends. Dedans. Non, c'est pas magique. Un choix. Attends, il y a une Joël, paix à son âme, l'Erma, de confession juive. Elle m'appelle un jour, c'était au début de cette émission, je te parle de ça, il y a... Oui, mais j'ai entendu parler. 14 ans à peu près, 12-13 ans, je sais pas. Et elle m'appelle, et puis elle était... bon, elle arrive, beurre FM, donc pour elle. Et puis elle était avec des gens que tu me décris, hein. Et elle parlait de sœur, frère, machin et tout. Alors je lui dis, écoute, sœur, frère, moi, mon frère, il est sorti du ventre de ma mère et ma sœur aussi. Moi, les autres, c'est des amis, mais voilà. Et elle me raconte, et elle me dit que, comment dire... elle a, comment on appelle ça? Elle s'est convertie. Elle était toute contente, tu sais, au début, comme ça, fière, tu vois. J'étais juive et je me suis convertie, etc. Je lui dis, convertie à quoi? Elle me dit à l'islam. Bon, ah bon? Bon. Oui, alors donc, et pourquoi? Ah, parce que c'est la religion, la dernière religion, la religion ceci, enfin, elle m'a sorti des trucs et tout. Je lui dis, mais enfin, c'est pareil, hein. De toute façon, la religion musulmane, l'islam, a beaucoup puisé dans le christianisme et surtout dans le judaïsme. Alors, donc, c'est le même Dieu, voilà, enfin, maintenant, tu fais ce que tu veux, mais bon, ça me semble un peu, voilà, insolite. Alors, elle me dit, mais tu sais, Vanessa, ma famille juive, ma mère m'a rejetée, ma famille juive, tu m'entends, tu es toujours la Yek, hein, Myriam. Oui. Myriam? Écoute. Oui, elle me dit, sa famille juive l'a rejetée. Elle me dit, sa mère, sa famille l'a rejetée. Elle me dit, tu te rends compte, ils sont intolérants quand même, parce que ma conversion et tout, ils m'ont vu, je suis arrivée avec le djellbab et tout, ils n'étaient pas contents et tout. Ouais, je peux les comprendre. Elle me dit, comment ça? Ben non, quand même, ils sont intolérants. J'ai dit, non, ils sont pas intolérants du tout, ils sont normaux. C'est un comportement normal, d'une famille normale. C'est une famille juive, chrétienne, musulmane, normale. Elle me dit, oui, mais ils ont pas accepté. Je lui dis, c'est normal qu'ils acceptent pas, parce que pour eux, c'est comme si tu avais trahi le clan. Je lui dis, voilà. Elle était avec ses copines. Je lui dis, tiens, tes copines, elles sont autour de toi, tu peux leur dire, parce qu'elles trouvent que c'est bien. Ah oui, oui, oui. Bah oui, sinon, au contraire, mes sœurs et tout, elles me soutiennent, heureusement. J'ai dit, elles te soutiennent, au lieu de te dire, retourne vers ta mère. Je lui dis, tu sais, tes copines, là, si elles t'aimaient vraiment, elles te diraient non, retourne vers ta mère, il faut vraiment te réconcilier avec ta mère. Voilà. Et elles te poussent pas. Je lui dis, parce que si l'une d'elles, hein, elle ou eux, frères, sœurs, là. Je lui dis, si leur sœur, elle s'était convertie au judaïsme, c'est pas ironie, ils sont pas contents. Peut-être ils l'agressent, peut-être ils lui coupent la tête. Je lui dis, mais ça peut aller très loin. Je lui dis, tu crois qu'ils vont applaudir en disant, oui, c'est bien, ou alors ils vont dire tout simplement, non, on n'est pas contents. J'ai dit, non, c'est la même chose. Je lui dis, alors tu vois, ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Tu es née juive, dans une famille juive. Pourquoi tu quittes ta famille? Pourquoi tu trahis ta famille? Tu leur fais du mal. Vous fêtiez Shabbat tous les vendredis. Et là, voilà, tu n'es pas là. Et quand tu vas les voir, tu vas les voir avec un djellbab. Il y a de quoi choquer quand même. J'ai dit non. J'ai dit, moi, je suis pas d'accord. Ah oui, Vanessa. Je dis non. Mais moi, je suis musulmane et je te dis, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est de la trahison pour ta famille. Et tu as peiné ta mère. Et ça, en islam, tes copines, elles te le disent pas. Mais ça, c'est, par contre, ça doit être un péché, à mon avis. Je dis, parce qu'on doit pas, chagriner sa maman. On doit pas chagriner ses parents. Le mal que tu as fait à ta mère, c'est péché. Chez les musulmans, c'est péché. Ça, ils te le disent pas. Je lui dis, parce que, en vérité, ils sont contents. Ils t'ont raflé à ta famille, ils sont contents, ils applaudissent, ils te disent qu'ils sont intolérants, ta famille. C'est pas qu'ils sont contents parce que tu t'es converti. Ils sont contents parce que il y a une famille juive qui est en train de pleurer, elle a perdu sa fille. C'est tout. Les gens sont méchants, je lui ai dit. Et je lui ai dit aussi la suite qui est arrivée. Parce que j'ai eu, tu sais, de temps en temps, je dis des choses, j'ai l'impression que je suis habitée. Et je dis des choses qui se réalisent. Et c'est vrai, ça. Ça, mes amis peuvent le dire. Et les gens qui me connaissent. Et je lui ai dit, un jour, tu sais, Joël, si tu tombes malade, je te promets, je lui ai dit, voilà, si tu tombes malade, eh bien, tes amis, ils vont se détourner de toi. Tu trouveras que ta mère pour te laver, pour te porter, pour te soigner. Eh bien, je vais te raconter la suite et tu vas être étonné.
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون